officially, there never was a clone rebellion on Kamino. Unofficially, approximately 20 years after we were created, a special detachment of the Imperial 501st Legion was dispatched to Kamino with orders to eradicate an army of clones that had been bred to take arms against the Empire. Our mission commander, an expert on the inner workings of Kamino, was a young bounty hunter named Boba Fett. Bonjour à tous, c'est Amy et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefront 2. Vous l'aurez d'ailleurs très certainement compris. Alors, c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. Première vidéo inexploitable, deuxième vidéo crash du jeu. Donc je suis déjà particulièrement énervé. D'autant plus qu'on se retrouve pour la mission que je déteste le plus dans Battlefront 2. Donc ce sera la mission coup de gueule, je vous préviens. Bon, je rush parce que, comme vous voyez, c'est déjà pas mal bondé. Donc voilà, le pitch, on est sur Kamino. Les Kaminoens ont créé une... Ah, c'est pas précis ce... On crée une force... On crée une armée de clones. Où est-ce qu'ils sont? Mais c'est pas possible. Ah, pour se battre contre l'Empire. Donc nous, on va détruire l'armée de clones. Où est-ce qu'il me tire dessus? Purée. Voilà. Et donc on se bat contre des gens. Bon, ils ont rajouté du verre sur les armures pour que... Non, ça c'est les... C'est parce que c'est des jetpacks, ça manque. Ce jeu manque d'une attaque au corps à corps. Donc voilà, pourquoi je n'aime pas cette mission? Donc, non seulement on se bat contre des gens qui ont la même tronche que nous, donc à discerner, c'est pas facile. C'est vraiment une carte, alors qui est bien faite, mais qui est super chiante à jouer. La carte de Kamino. En outre, sur cette carte en particulier, apparaît un des gros défauts du jeu, notamment en mode en solo en fait, à savoir que l'IA est très 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 mal optimisée et que vous avez pour la plupart du temps l'impression de vous battre tout seul contre tous les éléments qui sont rassemblés pour votre... Bah, pour une fois, ça, vous voyez, j'ai cru que c'était un ennemi parce qu'il a la même gueule. Alors lui que c'est un ennemi par contre vraiment. Et donc voilà, donc vous avez sur certains passages vraiment l'impression de vous battre tout seul et d'être seul au monde. Je vous dirai dans quel passage en particulier et on verra si je suis d'accord, si vous êtes d'accord avec moi. Point positif des vidéos, j'ai corrigé ma résolution. Oui, parce qu'effectivement, comme beaucoup de youtubeurs, j'enregistre toutes mes vidéos d'un coup hein, et après seulement je les propose à l'upload au fur et à mesure. Mais je les tourne toutes sur 2 heures de temps. Je m'amuse pas à jouer 10 minutes à Battlefront et 10 minutes, hein, 10 minutes lundi, 10 minutes mardi, 10 minutes... Voilà, enfin, vous avez compris le principe. J'avais pas pensé avant à régler la résolution de l'écran pour que ce soit en 16:9. Et là, je l'ai fait, donc... C'est de meilleure qualité tout simplement pour la vidéo, c'est plus agréable à regarder, en tout cas en plein écran et en HD en plus. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, on continue de... Voilà, lui, il embêtera plus personne. Voilà, voilà. Et maintenant, c'est cette partie-là. Donc, vous voyez, la chose marrante. On va devoir rentrer dans ce bâtiment pour aller récupérer des échantillons... Détruire des machins. Voilà. Admirez combien de personnes vont suivre l'objectif. Je peux déjà vous répondre, une. Moi. Mais sinon... On va s'équiper. Ah, c'est pourquoi c'est fermé. Ah oui, c'est là qu'il faut aller. On va s'équiper du lance-flamme. Ah, mauvaise idée, le lance-flamme. C'est pas grave, je pense que je peux réapparaître avec Boba Fett, oui. Alors c'est pas un cheat, hein, il est débloqué 2 fois dans... Ce
ce jeu manque d'une attaque de corps à corps. C'est terrible. Voilà, deuxième défaut de l'émission. Alors, je l'ai peut-être déjà dit, j'ai dit tellement de fois, j'ai recommencé tellement de fois la vidéo. Vous voyez que l'ennemi a plein de jet troopers et a plein de mitrailleurs. Ce sont des classes spéciales. Moi, dans mon équipe, je ne peux en avoir que 4 chacun. 4 de chaque classe. Alors, expliquez-moi pourquoi l'IA a droit d'en avoir 45. Hein, parce que ça, c'est franchement... Enfin, 45, j'exagère, bien entendu. Mais c'est terrible. Ça vous... C'est, enfin, à partir du moment où on fait un jeu, les règles sont les mêmes pour les deux côtés. L'IA et pas l'IA, quoi. Voilà, donc là, j'utilise... Ah, ne pas se faire repérer, voilà. Ah, j'ai plus beaucoup de temps. Ah, bon, il en reste deux. Ça va être difficile, hein. Je recommence, je recommence pas la vidéo une troisième fois, donc Vous voyez, là, c'est impossible de passer les ponts, parce qu'ils sont tous là, ils campent, tels des mauvais joueurs de FPS, qui sont, d'ailleurs. Mais voyez, quand vous avez trois mitrailleurs qui campent, bah, vous arrivez dans le complexe, vous êtes déjà à la moitié de votre vie, donc si vous n'êtes pas... si vous avez réussi à les abattre. Donc à partir de là, c'est... C'est super dur, quoi, après de détruire les machins à l'intérieur, où il y en a encore plus. Bon, on va dire qu'ils m'ont pas vu, voilà. Merci, l'IA de merde. Alors, c'est un bon jeu, hein. Là, je râle beaucoup, non seulement parce que j'ai dû recommencer plein de fois ma vidéo, donc je suis un peu énervé, et puis aussi parce que c'est une mission que j'aime pas, mais c'est un bon jeu, hein. Achetez-le, n'ayez pas peur. Voilà, ça, c'est fait. Ah. Et maintenant, on va devoir détruire des... je le connais par cœur maintenant, avant de l'avoir recommencé 5 fois. On va devoir détruire ces petits machins là-bas. On a 5 minutes. C'est là que toute dernière fois, mon jeu a crashé. Ah non, me dites pas qu'il y a une portée minimale et tout. Oh là là là. Mais c'est pas possible, il faut être à quelle portée pour battre, pour atteindre ce machin? Il faut se mettre à côté carrément? Oh là là, c'est pas possible, un lance-missile, ça lance un missile, après on... Voilà. J'abats des mecs à la mine, et voilà, bon. On a finalement réussi, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bah non, je vais vous laisser la cinématique de fin, j'avais oublié. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais pour vous retrouver cette fois-ci. Et maintenant... After the Kamino uprising, the Emperor decided that an army of genetically identical soldiers was too susceptible to... Voilà, donc c'est la fin des clones. Enfin, des clones à partir de Boba Fett, en tout cas. De Jango Fett. The rest of the Imperial army gradually became more and more diverse. Et voilà. We never really got used to the new guys. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Salut.